Chers frères et sœurs de l'amour du Seigneur, moi salue dans le nom de Jésus, nous comptons avec vous matin encore une fois pour présentation rubrique pain spirituel. Sur notre opportunité, bon Dieu, ben nous pour nous entrer dans la parole, pour nous lire la parole, bon Dieu, qui c'est pain spirituel. Nous, que nous avons vu le matin, dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Et c'est là que nous avons vu une parole, bon Dieu, qui dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. J'ai soupiré avec lui et lui avec moi. Le verset courant lui dit, voici, je me tiens à la porte Dieu, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. J'ai soupiré avec lui et lui avec moi. Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, moi, je voulais dire aujourd'hui, il y a des invitations pas de refuser. Tant qu'une invitation, ça, que le Seigneur a fait à vous-même, en particulier. Pasteur Bruno Picard a raconté l'histoire que il était en Belgique. Et il y a un ami, il était invité, lui-même à toute frêle, et moi qui était avec lui pour te manger, pour te aller manger dans un restaurant avec lui. Et le restaurant qu'il a choisi, c'est un restaurant qui est très prisé. Il y a un grand restaurant. Et que tellement restaurant ça a gagné un monde qui a fréquenté, il faut te réserver à l'avance sous table de une place. Et parce que vous ne dit, il n'a pas gagné habitude pour aller dans ce genre de restaurant ça. Les amis, tu voulais honorer lui. Et encouragé lui et encouragé travail que l'a fait pour le Seigneur et ça fait le t'inviter dans l'histoire. Mais il dit planification que t'a gagné pas te permettre d'accepter invitation ça. Les amis ont répondu. Il te dit son jeune invitation que personne monde pas refuser. C'est invitation ça personne monde pas refuser. Frère Samuel, pendant que elle a pensé à invitation ça que pasteur Bruno Picard t'a manqué et c'est comme si on entendait la voix de Dieu qui a dit nous petit garçon moi petite fille moi est-ce qu'on est que combien de fois côté ignoré invitation que m't'ai fait pour te venir chita bon table moi hein? Pour te venir chita avec moi à table pour nous manger. Sans ne pas sentir aucun jugement, nous capables comprendre message pour Dieu, message ça je dis. Le Seigneur a invité nous pour chita avec nous. L'a invité nous pour venir en présence lui. Oui, le Seigneur voulait passer du temps avec nous. Il veut préparer une table même en face adversaire nous. Invitation pour que nous restions, pour nous demeurer même lorsque nous avons refroidi, l'a fait appel ça à nous-mêmes. Il range un superbe couvert pour nous devant tout l'ennemi. Et il veut manger avec nous. Il veut boire avec nous. Il veut passer du temps dans la présence de ces invitations ça que l'a fait avec moi-même et vous-même. Chers frères et sœurs dans l'amour du Seigneur, encore une fois, on a dit que papa nous qui dans celle-là, il invite nous. Et ou pas capable de refuser parce que la vie ou dépend de ça. Oui, la planche invitation ça à ou même jodi a pour nous venir chita avec lui, pour nous passer du temps avec lui, pour le temps de nous cap parler avec lui, pour nous temps de lui même cap parler avec nous. Nous la prier ensemble dans moi ça pour nous dis mon Dieu combien nous envie nous même tout pour que nous t'achetons à la même table avec lui. Seigneur, on va le vivre un jour sans ou même. Non. On va le vivre une vie, un jour encore plus, Seigneur Dieu, sans une intimité avec l'Esprit Saint. Oui, cher Seigneur. On veut manger avec vous. On veut boire avec vous. Et on veut, Seigneur Dieu, que nous préparions nous. Parce que tout ça que nous voulons, au Dieu Tout-Puissant, c'est qu'on est cœur,
Si vous avez personne n'a accepté l'invitation, prenez la dire merci pour l'invitation ça et que nous glorifions dans la vie nous. Dans le nom de Jésus-Christ, notre divin maître, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Passez une très bonne journée dans deux plans, Papa, mon Dieu Tout-Puissant. C'est l'âme qui tombe. N'a pas cassé rendez-vous pour demain pour l'autre sortie au bout spirituel. Pendant la vie, aucun sourire. Pas quitter rien ni personne pour perdre le toujours songer que sourire son cadeau que bon Dieu barre. Et surtout, pas négliger. Répondre à l'invitation que le Seigneur a fait pour le chita avec ou pour nous chita ensemble sur table, pour nous manger, pour nous boire, pour nous parler, pour nous causer. À demain, si vous avez bon Dieu content. Que bon Dieu bénisse.